La fanfare des Bleus qui est présente et qui va nous offrir une belle Marseillaise. Ancien champion du monde qui rêve de le redevenir. On va avoir l'occasion de vous en reparler, mais c'est l'objectif de Bobo. Combat prévu au meilleur des 10 rounds dans la catégorie des poids légers. Kolakoff, short bleu, qui vient défier Julien Norcy au stade Pierre de Coubertin. Kolakoff a déjà boxé en France à Pont-Sainte-Maxence. Il a perdu par KO dans la 5e reprise contre Bouziane Oudji au mois de février 2003. Attention, le premier large crochet, la première accélération de Julien. Et le direct qui passe. Un petit peu plus rapide, Julien. Voilà, c'est bien. Il les double, ces directs. Voilà, c'est pas mal ce quel travail qu'il nous fait. Oui. C'est bien, il a enchaîné cette petite droite oui. Qui est arrivée en bout de course. Le coup d'œil de Julien. Il est allé devoir mettre les gants. Hein, dans... Oui, ça s'arrête. Gauche-droite, ouais, super. Il est très affûté, Julien. Et lui aussi, il a faim malgré ses 58 combats professionnels. Il s'en sort bien. La clairvoyance et la petite remise avec le crochet droit. Tous les directs passent, Christophe. C'est remarquable. Attention. Attention. Crochet droit qui est passé. Sans trop d'inquiétude pour Julien Norcy. Attention à ce Bulgare de 28 ans, né à Plovdiv. C'est bien ce qu'il fait, en tout cas techniquement, il nous montre de très jolies choses. Christophe. Attention à la remise avec la droite de Julien Lefichet. Et au tapis de la côte, c'était la première reprise. Ah ouais, c'est superbe. Compté par l'arbitre. Oh, ça va, ça va. Il s'est relevé. A-t-il récupéré ? Il percute ! Oh là là, ça va mal pour Ivan Kolakoff. Deuxième compte. Alors, peut-être... L'arbitre a-t-il demandé à Miroslav Popovic, son entraîneur, de lui essuyer le visage. Bon, c'est la fin. Oui, c'est la fin. De la reprise, on n'a pas entendu le gong. Il y avait beaucoup d'ambiance. Oh là là, il a mis du gong. Oui, Christophe, non, je crois que c'est tout simplement terminé. C'est terminé, c'est terminé. Le gong se retire. Et je crois qu'il a tout simplement le nez cassé. Ouais. Ouais.
Il a été fiché d'entrée par la force de frappe de Julien Orsi. Et c'est l'arbitre qui a décidé d'arrêter le combat. Ah, on est un peu frustré, Stéphane. C'est vrai, parce que pas qu'il a fait un mauvais combat, mais voilà. La droite qui prend de plein fouet. On voit au ralenti. Oh là là. Boum. Non, c'est après. Voilà, crochet gauche. Et lui percute. Magnifique. Alors là, bon, c'est difficile de voir qu'il n'a pas été touché. Il n'avait pas complètement récupéré, bien sûr, du premier knockdown. Là, voilà, cette droite au menton. Là. Ouf. On va vous parler des 38 KO de Julien. Bah, eh bien, voilà, elle confirme, hein. Il est fort en ce moment, Julien. Alors, on vient de me préciser que le Bulgare a une fracture de la mâchoire. Mais voilà, voilà, on a l'explication. Regardez cette image. Sur la droite. Bah, il voulait proposer autre chose au public. Et fracture de la mâchoire, il ne peut pas continuer ce combat. Ça va être difficile. Allez, Stéphane Ferrara au micro de Jérôme Papin. Stéphane Ferrara, finalement, Julien Orsi, vous me le disiez il y a quelques instants, vous a rassuré. Ben, moi, j'étais pas trop inquiet parce que Julien, sa boxe, a du métier, il est là, il a sa place au niveau mondial, ça, on le sait. Maintenant, ce qui me rassure, c'est qu'il a bien fait les choses. Quand c'est net et sans bavure, comme ça, magnifique. Bravo, Bobo, à la victoire. Le retour de la boxe à Coubertin, une salle qui est pleine à craquer, ça fait plaisir. Alors là, moi c'est une salle que j'affectionne particulièrement parce que j'ai boxé deux fois et c'est des bons souvenirs, j'adore cette salle. Merci Stéphane. Ah oui, une salle magnifique et Julien Orsi vainqueur, il aurait bien voulu rester un petit peu plus longtemps sur le ring et montrer de belles choses. Il avait beaucoup travaillé à l'entraînement, malheureusement à la boxe ça ne se commande pas, le KO il arrive et puis là le boxeur a été blessé, il ne pouvait plus continuer. Oui bien sûr, le boxeur bulgare, non, c'est un bulgare, oui, non, c'est un roumain. C'était un bulgare. Donc je ne sais plus, oui, le boxeur bulgare il a été pris à froid et donc il a du mal à s'en remettre. Et... Voilà quoi. Le moyen, on c'est essaie d'aller voir champion. Les enfants, leur pouvoir à la boxe et de faire des galas comme ça ici ce soir. Parce que n'oublions pas que je suis en contrat avec le plus grand promoteur mondial qui m'a donné l'autorisation de pouvoir boxer ce soir. Merci. Et oui, on peut remercier au passage Don King qu'on vient de c'est le faire Julien, vrai, car Julien s'est engagé avec le promoteur américain pour ses prochains championnats du monde. Don King qui a accepté de laisser Julien boxer au programme de cette réunion de Coubertin. On va effectuer un petit détour par nos studios pour une page de pub avant de revenir à Coubertin avec Julien Bobo Orsi à notre micro. À tout de suite.